Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 24 novembre. Antoine Griezmann est enfin sorti du silence. L'attaquant français a pris la parole lundi soir depuis l'Espagne sur la chaîne Movistar pour tenter de désamorcer les tensions supposées avec Lionel Messi. Le champion du monde a tenté d'éteindre les polémiques suscitées notamment par les propos de son ex-conseiller et de son oncle à propos de l'Argentin. Il affirme ne plus avoir de contact avec eux et se désolidarise de ses propos. Griezmann a néanmoins reconnu que Messi avait mal vécu l'affaire de son refus de venir au Barça en 2018. J'ai parlé avec Léo quand je suis arrivé et il m'a dit que ça l'avait fait chier quand j'avais refusé de venir la première fois, mais qu'on était maintenant dans la même équipe et qu'il était avec moi jusqu'à la mort. Et c'est ce que je ressens tous les jours. Léo sait que j'ai énormément de respect pour lui. J'apprends de lui, je le vois comme un exemple, a souligné l'attaquant Blaugrana, qui demande désormais que les médias et ses détracteurs le laissent un peu tranquille. Le PSG et Thomas Tuchel, dos au mur, pression maximale sur le club parisien et son entraîneur avant la réception du RB Leipzig ce mardi 21h en Ligue des Champions. Battu deux fois lors des trois premières journées, les Parisiens doivent l'emporter pour s'éviter une énorme désillusion. Grosse pression aussi sur Kylian Mbappé qui n'a plus marqué depuis 7 matchs en C1 et sur Neymar, censé tirer le PSG de ce mauvais pas en raison de son statut. Thomas Tuchel devrait opter pour un schéma offensif. Le coach parisien va aligner Moïse Kean en pointe, soutenu par Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria. Au milieu, le duo Herrera-Paredes tient la corde en l'absence de Marco Verratti, trop juste. En défense centrale, Diallo devrait épauler Marquinhos en raison de la suspension de Kimpembe. Becker et Florenzi devraient débuter dans les couloirs comme Navas dans les buts. Un coup d'œil également sur les autres affiches de la soirée. Manchester United, Başakşehir dans le même groupe. Rennes accueille Chelsea au Razon Park. Le Barça joue à Kiev. La Juve accueille Ferencváros. L'opération Reconquête se confirme pour Canal+ avec la Ligue 1. Selon l'équipe, la chaîne cryptée envisage de faire une offre de 740 millions d'euros pour le rachat total des droits télé de la Ligue 1, détenue actuellement par Mediapro, qui a gelé ses paiements avec l'espoir de renégocier le prix. La LFP et par conséquent les clubs de Ligue 1 seraient perdants par rapport à l'offre du groupe sino-espagnol, mais cela permettrait de sortir de la crise rapidement et de lever les risques de faillite pour certains clubs. Les infos en bref, à chaque jour sa vérité concernant l'avenir de Lionel Messi. Difficile de démêler le vrai du faux, alors que Sky Sports expliquait lundi que Manchester City devrait renoncer à l'arrivée de l'Argentin en raison de son salaire XXL. Le Daily Mail donne une version différente et évoque un plan sur 10 ans pour rentabiliser son éventuelle venue. Les propriétaires de City voudraient le faire venir à Manchester plusieurs saisons avant de l'envoyer en MLS à New York City, la franchise détenue elle aussi par Citigroup. Ensuite, Messi pourrait jouer un rôle d'ambassadeur pour rentabiliser un maximum cet investissement. Reste à savoir si le projet pourrait éventuellement tenter le principal intéressé. Kylian Mbappé est retenu au sein d'une prestigieuse liste de 28 noms sélectionnés pour le trophée de joueur du 21e siècle. Cette récompense sera décernée en même temps que plusieurs autres en fin d'année à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Alors que Marquinhos et Karim Benzema sont en course par exemple pour le trophée de joueur de l'année 2020, l'attaquant du Paris Saint-Germain fait bel et bien partie de cette liste pour le trophée de joueur du siècle malgré son jeune âge. Une liste dans laquelle on ne retrouve que des stars ou légendes du foot, Pirlo, Iniesta, Shevchenko, Cristiano Ronaldo, Beckham, Totti, Buffon, Kaka, Messi, Figo, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane ou encore Ibrahimovic pour ne citer que. Le retour du public en première ligue, c'est pour bientôt. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'apprête à autoriser le retour des spectateurs dans les stades pour les événements en plein air avec une jauge de 4000 spectateurs. Pas suffisant pour certains clubs anglais qui préfèrent le huis clos qu'une jauge aussi faible. Il est le favori de la prochaine élection pour la présidence du Barça et ses propos sont forcément très scrutés. Victor Font a confirmé son intention de garder Lionel Messi au Barça et de le faire travailler sous les ordres de Xavi. Il a en revanche enterré la piste menant à un retour de Neymar en Catalogne. La charge de Zlatan Ibrahimovic contre FIFA 21 et EA Sports sur Twitter. Le géant suédois s'en est pris violemment au concepteur du jeu vidéo, mais aussi à la FIFPro, la Fédération internationale des footballeurs professionnels, pour l'utilisation de son image. Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans mon accord depuis toutes ces années. Il est temps d'enquêter, a écrit Ibrahimovic sur le réseau social. Gareth Bale a rejoint le Suédois dans sa fronde contre l'utilisation de son image dans le jeu. Et toujours concernant l'univers du jeu vidéo, l'Olympique de Marseille a annoncé sa nouvelle collaboration avec l'écurie Grizzly Esport d'Antoine Griezmann et de son frère Théo. Cette collaboration concernera les deux joueurs FIFA de la team Grizzly, à savoir deux joueurs qui ont réussi des performances sur la scène internationale. Concrètement, ils représenteront désormais l'Olympique de Marseille lors des différentes compétitions internationales et françaises. Avec cette collaboration, le club français va toucher un public plus jeune et développer la marque OM à travers le monde grâce à l'univers du jeu vidéo. La revue de presse, le journal L'Équipe, propose deux unes différentes ce mardi en fonction des régions. La première est consacrée au PSG avec ce titre de circonstance. Vaccin contre la peur avec Neymar et Mbappé en illustration aux côtés de Thomas Tuchel qui compte vraiment sur ces deux stars pour faire la différence face au RB Leipzig. La
seconde une est consacrée au duel entre le Stade Rennais et Chelsea. En difficulté depuis quelques semaines, le club breton est condamné à l'exploit face aux Blues au Horizon Park. Victoire impérative pour continuer à rêver des huitièmes de finale, même si les Rennais se contenteraient sans doute volontiers d'être reversés en Europa League. De son côté, France Football consacre un gros dossier au Bayern Munich, modèle parmi les modèles européens en termes d'organisation. Le club bavarois est un exemple de régularité au plus haut niveau. En Italie, Zlatan Ibrahimovic est à la une de la Gazzetta dello Sport. L'attaquant suédois de l'AC Milan, touché à la cuisse dimanche contre le Napoli, sera éloigné des terrains entre 10 et 20 jours en fonction de son rétablissement. Il sera donc forfait pour le déplacement à Lille ce jeudi en Europa League. Et en Espagne, le journal Sport revient en grande partie sur la sortie médiatique d'Antoine Griezmann. Le Français est à la une. Il sera titulaire ce mardi en Ligue des Champions sur le terrain du Dynamo Kiev. Enfin, le journal Sport remet un coup de pression sur le Real Madrid à la veille du choc contre l'Inter Milan en Italie en Ligue des Champions. Le forfait de Karim Benzema étant confirmé, il y aura bien un duel à distance entre deux buteurs, Romelu Lukaku et Mariano Diaz. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.